Hello Crash, hello mes amis, comment ça va? Moi ça va super, comme d'habitude. C'est Kaisu l'ermite des Jogas, on se retrouve pour un nouvel épisode de Crash Bandicoot, premier du nom. Oh yeah, si si. Donc la dernière fois, nous avons pu terminer cette île en battant le boss Kuala Kong. Nous avons galéré sur Sunset Vista. Ça, je pense que je ferai à la fin, finalement, c'est mieux. Et donc, nous entamons Heavy Machinery. Alors, avant de commencer à enregistrer cet épisode, je fais une petite pause stratégique. Je suis allé récupérer deux masques sur l'île de Insanity. Enfin, sur Insanity Beach, le tout premier niveau. Histoire de me garantir un petit peu plus le 100% de ce niveau. Il est pas très difficile, mais voilà quand même. Ça va m'aider à déjà battre certains mobs assez chiants, comme cela. Alors ici, petit tips, voilà. Voilà, jusqu'ici ça va, c'est bon. Comme ici on vous donne assez beaucoup de masques. Enfin, il en restera un ou deux masques. En tout cas, voilà. On aura assez facilement l'invincibilité. Voilà. Peut-être aussi essayer de faire le niveau de brio. Donc voilà. Donc ici, c'est un niveau que je peux avoir la gemme, hein, bien évidemment. Donc je vais casser toutes les caisses. Voilà, hop. Alors ces ennemis là en fait, j'oublie de dire, ils sont invincibles. Ah oui, on peut pas les tuer, ni en sautant dessus, ni en faisant tourbillol ou quoi que ce soit. Seulement les tuer c'est avec un masque. Soit l'invincibilité ou soit vous ayez un masque avec vous. Voilà. Viens ici toi. Voilà. Je les aime pas trop. C'est facile. Voilà. Alors, pour avoir la vie, faut vraiment le vouloir, quoi. C'est un peu un piège à con, moi, je dis. Hop. Bon, ici. C'était un petit peu forcé, donc heureusement que j'avais un masque. Hop. Tête de Tonna. Oh, Rumble Combo. Oh yeah. Alors ici, pas trop gros problème. Voilà. Voilà, hop. Ici, caisse de Tonna. À pouvoir sauvegarder. Alors ici, c'est quoi encore? Nope, nope, nope. J'ai pas confiance ici. Ouh là là. Alors finalement, je vais sauvegarder ici, au cas où ça foirait. Donc. Hop là. Hop là. Voilà. Oh là. Ça avait manqué les lags. Ironie, bien sûr. Allez. On donne encore deux masques comme ça. Hop. Si je fais pas trop de conneries, j'aurai l'invincibilité. Alors ici, si on se laisse aller tout en haut. Voilà. Et là, on y va à la YOLO. Oh, 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 oh. Voilà, j'ai fait laguer le truc.
Alors ici, petit travail de saut de précision et de dosage, mais ça va pour l'instant. Et caisse de brio. Alors vais-je réussir? Celui-là, je ne me souviens plus c'est lequel. Ah, celui-là, c'est celui que j'arrive le moins. Par contre, c'est le préféré de Mario Music. Ça, je le sais. Je me souviens très bien. Oh, c'est bien parti. Oh! Hey! Pas mal! Mais c'est pas mal! Oh, j'aurais jamais cru réussir du premier coup! C'est le niveau brio que je réussis le moins en fait. Et je suis sur le cul! J'ai réussi du premier coup! Ah, mais je suis complètement satisfait, nom de Dieu! Je suis satisfait de cet épisode! Ça vient à peine de commencer, mais je suis déjà satisfait! Ah mon Dieu! C'est énorme! Voilà, une petite vie. Hop là! Ah oui, merde! Ici, un petit cadeau de Noël! Voilà! Et un sans faute! Oh oui, j'aime ça! Perfect. Ta-ta-ta! Ah, je suis satisfait de cet épisode tout d'un coup. Ah, je suis boosté là. Je sais pas pourquoi. Je suis boosté. Ah, je suis content. Ah, je suis tellement fier de moi. Un niveau perfect, une stratégie qui a bien marché. Et j'ai réussi ce putain de niveau de brio qui me pose le plus de problèmes. Ouais! Ah, je suis trop content. Alors Cortex Power, c'est un des niveaux que j'aime le moins. Et je ne peux pas avoir la gemme ici pour l'instant. Donc je peux fail tranquille. Alors pour le faire normalement, il n'est pas vraiment difficile. Mais le 100%, ça va casser les couilles. Hop là. Yep. Voilà. Le truc le plus dur pour le 100% ici, c'est le repérage. Faut bien connaître ce niveau en fait. Hop là. Ici, ça sert pas à grand chose, mais je voulais aller récupérer une vie au moins. Je pense que stratégiquement, j'amènerai aussi deux masques ici. Non, le retour en arrière ne sert à rien puisque je ne peux pas avoir toutes les caisses. Il me faut la gemme de couleur bleue. Bravo! Alors ça, c'est bravo. En fait, j'aurais dû marcher, tout simplement. Ah, je me casse le cul à sauter alors que non, il n'y a pas besoin. Hop là. Hop là. Ah, putain. Faut que je saute un petit peu au pixel près. Que je prends, je prends beaucoup d'élan aussi. Et
bon, je pense avoir ma petite méthode pour avoir toutes les caisses. Comme je suis un petit peu entraîné sur ce crash, c'était surtout à cause de ce niveau. Qui me pose beaucoup de problèmes. Ok, c'est bon. Comme vous voyez ici, hein, la gemme bleue disparaît. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas eu et qu'il faut impérativement pour avoir les caisses. Merde. Merde! Bon, d'accord, ok. Hop, et ici c'est la fin. Bon, ça sert à rien de toute façon. Voilà! Cortex Power, je préfère faire quand j'aurai fini le jeu normalement. C'est mieux. Generator Room. Ouf. C'est un niveau où je peux avoir la gemme, même une gemme de couleur, il me semble. Et c'est un niveau que j'aime pas, mais que j'aime pas du tout. Il est assez difficile. Et l'ambiance du niveau me met mal à l'aise. Déjà, rien que la tête de Cortex que vous voyez ici. Ça met franchement pas à l'aise. Même la musique, elle me met pas à l'aise. D'ailleurs, c'est une des musiques que j'aime le moins. Bien qu'il y a de l'idée dans l'ambiance assez glauque. Bon, je garantis pas de le faire à 100% ce niveau. Mais si j'ai réussi, alors là, mais je vais m'applaudir. Parce que franchement, ce niveau, faut le faire. Avec un petit peu d'entraînement et une bonne volonté, je peux, mais... Là... Faudrait déjà que ma manette... soit avec moi, pas contre moi. Bon, alors, ici... Faites vite, parce que ici, c'est une plateforme qui se barre assez rapidement. Ok, c'est bon. Comme vous voyez, fait au revoir et ne revient plus, hein. Plus du tout. Malheureusement. Ok. Ici, un petit glitch pour pouvoir en fait monter sur l'espèce de truc vert. Mais ça sert à rien. À part vous faire fail, parce qu'après vous pouvez plus remonter. Ouais, malheureusement. Une vie de plus. Vous êtes tellement généreux, les mecs. Franchement, ça me va droit au cœur. Tête de Tona. Hop là, ok, jusque là ça va. Ok, bien calculé. Toi, tu dégages. J'aurais peut-être dû aller prendre des masques aussi, d'ailleurs. Mais bon, pas grave. C'est déjà fait, enfin c'est... J'ai préféré faire ce niveau tout de suite. Je ne peux qu'en prendre... Non, je peux en prendre qu'à moi-même, voilà. Bon, jusque là ça va encore. Pas de grosse douille. Hop, hop. Oh, j'aurais pu le faire en fait ici à 100%. Mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, je répète, c'est facultatif de casser toutes les caisses. Donc je ne vais pas me casser le cul. C'est juste pour l'honneur. Mais moi, je n'ai aucun honneur. À part l'honneur de Monsieur Fail. C'est tout. Un masque, ça fait plaisir. Hop là. Oh, j'aime pas. Oh, ce que j'aime pas. C'est bon, jusque là. Putain. Ouf. Oh, c'était chaud. J'ai failli glisser en plus. Heureusement, je me suis bien rattrapé. C'est bien parti, mais tout n'est pas gagné d'avance. Ok, ça va. Je m'occupe pas d'eux. Oh, vous êtes tellement généreux. Ça me va droit au cœur.
Ok, c'est bon. Ah, je suis pas loin de la fin du niveau en plus. Je serai assez dégoûté si jamais je faille là. Ok, ça va. C'est bon. Et faut savoir que il n'y a qu'un seul niveau de style du style Generator Room. En fait, c'est un mélange de trucs de ruines et d'heavy machinery en fait. Ouf. Merci le masque. Putain. Je te remercierai jamais assez à quoi coup. Ah non, je suis pas presque à la fin. Eh oui. Bon, ça va. Je suis bien débrouillé. Allons tout droit. Ok. Là, ici, comme dans Heavy Machinery. Oh mon dieu! Oh j'ai réussi! J'y crois pas! Oh non! Alors là! Mais putain! Ça mérite un Oscar! Là c'était du skill! Mais du skill! La gemme jaune, oh oui! Mais. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Dieu a décidé de me bénir pour cet épisode. Je pense que c'est ça. C'est... Autant en profiter, d'ailleurs. Autant en profiter de cette bénédiction, Autoki Quest. Non, là par contre... Petite pause, masque. Parce que Toxic Quest... D'un niveau, je peux avoir la gemme et une gemme de couleur. Il me semble que c'est la bleue ou la rouge. Non, non, c'est la bleue. Je sais où on va l'avoir, la rouge. C'est un niveau où je me suis plus cassé le cul pour faire à 100%. Oh oui, ça vous pouvez. Ça, je peux vous garantir, voilà. Je hais ce niveau. Honnêtement. Je connais des jeux... Enfin, c'est même le niveau que je déteste le plus finalement. Avec Generator Room. Enfin non, non. Avec Cortex Power en fait. Cortex Power, non. Finalement c'est Cortex Power que je déteste le plus. Et on va dire que Generator Room et Toxic Waste, je les mets ex aequo. Quoique Toxic quoi, je mettrais peut-être un petit peu au-dessus. Alors, le niveau est simple. Enfin, entre guillemets, simple, hein. Vous avez ce connard là, que vous voyez, va pas arrêter de vous balancer des tonneaux. Bon, c'est facile, il suffit juste de sauter par-dessus. Oui, mais vous allez voir plus tard qu'est-ce qui va nous arriver. Ça va être un truc de malade. Hop. Ici, un masque offert. Autant en profiter. La musique, j'aime beaucoup. Mais je n'aime pas le niveau, voilà. Il n'y a que sa musique qui est bonne. Ah, c'est simple jusque-là, mais vous allez voir. Et si ça lag, ça va être encore pire. Oh.
voilà, c'est ça que je déteste le plus. Bon, quand ici, je connais par cœur où est-ce qu'il s'arrête le truc. Aïe. Et voilà, là je suis un peu dans la merde du coup. Attendre qu'il balance ça. Dégage. Et c'est là qu'on va se casser le cul. Il va balancer en fait que des tonneaux qui sautent. Et c'est là en fait il faut calculer. Alors ici donc je sais que ça n'atteindra pas ici. Voilà. Fais un gros travail d'observation. C'est pas une mince affaire. Eh ben non, voilà. 100% raté. Bon ben, voilà, je vais devoir faire comme je peux. Quoique, il peut toujours avoir une petite méthode. Ah ouais. Ah! Ah, en fait, je viens de découvrir un... D'accord. Je viens de découvrir que je suis un gros con en fait. Ah merde. Et hop, là. Yeah. Quoique en fait c'est possible de faire 100% si j'utilise cette méthode. Oh, quoi qu'on verra ça plus tard. Ah, c'était excellent. Énorme. Juste énorme. The epic fail of the dead. Oh, d'accord, celui-là aussi. Allez, livre des records. Mon dieu. Ouais, cool. Ah, il vient pas ici non plus, normalement. Ouais. Dégage, connard. Bon. En fait, je peux le faire. Ai-je confiance en moi ou pas? Le boss Pinstripe. Oh, allez! Allez, fais-moi plaisir, on va la faire. Sans le masque, allez! En mode like a boss. Ça ira pas ici. En fait, non! Hop là! Oh, bon. Bon, ok, finalement, on va faire ça la prochaine fois. Aïe, 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 j'ai perdu un peu de temps. Bon, bah, on va faire le boss alors. Pinstripe. Qui en fait, justement, est une belle transition à ce niveau. Parce que ce mec, en fait, c'est le boss de tous ces connards qui ressemblent à des rats ou des chiens, enfin, ce que vous voulez. Voilà, lui. Alors, Pinstripe est un boss mafieux, est un mutant et un boss de la mafia en même temps. Avec un fusil de la première et de... non, de la deuxième guerre mondiale. La première aussi, je dirais. Voilà. Pour le battre, c'est extrêmement simple. Mais j'aime beaucoup ce boss, moi. C'est mon deuxième préféré, je dirais, après Riparo. Il a vraiment la classe. Il a la classe du parrain mafieux. Avec son petit rire. Mais néanmoins, ce boss, il est très facile. Hein. D'ailleurs, ce qui est dommage.
fait vraiment pitié ce boss. Là il va charger. Et après c'est en haut. Ah merde. Ah oui c'est vrai. Bon pas grave. Et au revoir. Voilà. Yeehaw ! Et donc voilà, c'est une belle conclusion. Il y a eu du skill, il y a eu du fail, et un boss. Franchement, que dire de plus? Finalement, je suis satisfait de cet épisode, non? Bon. Ben voilà. Donc merci de m'avoir regardé. Que la foudre du Juga Satan vous accompagne dans du style. Je suis tellement de bonne humeur que je vais tourner, allez. Je vais tourner l'épisode à la suite. Donc, ciao, peace and love. See you next time, Ilufto. See you next time, Crash.